Pendant les 45 minutes qui arrivent, nous allons prêcher et prier contre les autels de sorcellerie familiale. Yes. Dans chaque famille, il y a un autel central qui contrôle les destinées, les étoiles, l'avenir des membres de la famille. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, si tu viens d'une famille, coming from the family, tu seras toujours réclamé par cet autel. You shall be always climbing up by that altar. D'après le ciel, Gédéon était considéré comme un vaillant héros. According to the heaven, Gédéon was considered as a hero. Mais l'autel de la maison de son père le rendait inutile. But his father's altar called him useless. Empêchait à ses affaires d'évoluer. Hinders his business to go ahead. Empêchait à ses affaires de prospérer. Hinders his business to prosper. Église, enfant de Dieu, nous n'allons jamais arrêter de le rappeler à l'église. Never you insist to remind the lorsqu'on church. Est de nouveau, when we are born again, c'est l'esprit qui est renouvelé. Is the spirit yes. renewed. Mais le sang qui est dans nos veines ne change pas. But the blood Amen. In our La nouvelle naissance régénère notre esprit. The new birth regenerates our et fait de nous, elle fait de nous une nouvelle création. It makes us a new creation. Mais le sang qu'on a émane de notre famille. But the blood we have coming from our family. À cause du sang qui coule dans nos veines, nous serons toujours réclamés par les problèmes de nos familles. Because of the blood we have, we must be claimed by the problems of our families. Les traits de ressemblance que tu as sont fonction du sang qui coule dans tes veines. The look yes. like you have, it functions according to your blood. Tu ressembles à ton père ou à ta mère à cause du sang qui est dans ton corps. You look yes. like your mother or your father because of the blood you have in your body. Jamais tu vas apprendre que parce qu'on est de nouveau, on a changé la forme du visage. Never you will learn that because you new born again because you face your Donc quand quelqu'un naît de nouveau, so when somebody born again, ça n'empêche que l'autel de la famille ne le réclame. C'est donc pour ça que nous sommes à l'église. That's why we are in church. Nous avons les mêmes problèmes de célibat que nos cousines qui ne viennent pas à l'église. Yes. Nous sommes à l'église. We are in the church. Nous avons les mêmes maladies incurables que nos cousins qui vont chez les marabouts. We have the same incurable disease than our cousins. Parce que c'est le même hôtel qui contrôle nos vies. Because the yes. same altar controls our lives. Dieu a dit à Gédéon, God told to Gideon, si les promesses que j'ai faites à vos pères doivent se réaliser, all the promises I did to your father must realize. Va dans la maison de ton père, go to your father's house, et renverse l'autel. Yes. L'autel est le lieu de rencontre entre le spirituel et le naturel. The altar is the place of meeting between the spiritual and the natural. C'est à partir d'un autel qu'on invoque les esprits. It's from the altar they invoke the spirit. C'est sur un autel qu'on émet des paroles. Open the altar yes. they declare words. C'est sur un autel qu'on fait les sacrifices. Open the altar yes. they make sacrifices. Tous les enfants de la famille qui sont sacrifiés, c'est à partir d'un autel. All the children that have been sacrificed in the family is from the altar. Toutes les étoiles qui sont emprisonnées, c'est à partir de l'autel. All the yes. is from the altar. Les mariages qui sont gâtés, c'est à partir de l'autel. Yes. Les maladies incurables qui dérangent la famille, l'autel. Incurable disease in the family is les, by the altar. Les problèmes similaires qui touchent ceux qui portent le nom de la grand-mère, l'autel. The same problem than the same name. Si tu remarques que ceux qui ont tel nom dans la famille ont tel type de problème, if you notice that somebody carries the same name, c'est parce que l'autel vous impose ce type de problème. Having yes. the same problem is because the altar imposes you that type of problem. Jusqu'à ce que tu aies renversé l'autel, tu auras ce genre de problème. You will face that kind of problem. L'autel n'aura pas pitié de toi parce que tu pleures. The altar will have no pity in you. L'autel n'aura pas pitié de toi parce que tu ne viens plus à l'église. L'autel n'aura pas pitié de toi parce que tu te lamentes. Not because you lamented yourself. L'autel répond à l'autel. Quand un autel combat ta vie, il fait un autre autel pour défendre ta vie. Yes. Quand un autel bloque ta vie, il faut un autre autel pour débloquer ta vie. Amen. Quand un autel empêche à ta vie d'exploser, il faut un autel pour propulser ta vie. Amen. Quand un autel vous impose le célibat, il faut un autel pour vous imposer le mariage. Amen. Quand un autel vous impose la pauvreté, il faut un autel pour vous imposer la richesse. Amen. Écoute-moi très bien. Si tu es issu d'une famille où l'autel de célibat règne, va te marier, tu vas divorcer. Va te marier,
ça va se gâter. Ce n'est pas le mariage à tout prix qui compte. C'est le mariage après la délivrance qui est important. Si l'hôtel empêche les voyages, si tu forces pour voyager, tu vas partir. Mais ta vie sera toujours en prison. C'est à cause de cela que plusieurs ont voyagé. Mais ils continuent à rêver. Ils sont au village. Tout ce qu'ils veulent entreprendre, rien ne évolue. Tu as quitté le village pour venir te chercher à Douala. Mais l'hôtel contrôle ta vie depuis le village. Si l'hôtel n'est pas renversé, toutes tes affaires seront bloquées. Tous tes projets seront bloqués. Si tu allais en mariage sans renverser l'hôtel de célibat, le mariage sera un désastre. Le mariage sera une catastrophe. Ma mission ici ce soir, c'est de casser tous les hôtels qui bloquent ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a un hôtel qui vous impose la mort précoce, par l'onction et l'autorité de Dieu, je casse l'hôtel là ce soir. Je prophétise et je déclare sur la vie de 423 personnes, tout hôtel satanique qui vous impose la mort précoce, l'hôtel est brisé, brisé. Dans votre famille, les gens meurent avant 45 ans à cause d'un hôtel. Pendant que tu lèves ta main, je prophétise, l'hôtel là est brisé. Si tu te mets debout, tu lèves ta main, je déclare cette nuit, l'hôtel là est brisé. L'hôtel de mort précoce, 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 l'hôtel d'accident, l'hôtel de célibat, l'hôtel de pauvreté, l'hôtel d'humiliation, l'hôtel de scandale, l'hôtel de rejet, l'hôtel de misère, l'hôtel de misère. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Yes. Il y a un frère à l'église à Yaoundé. Yaoundé. Sa femme venait à l'église, il la combattait. His wife fought back. Elle venait, elle quitte de Nyom. Nyom, c'est dans une brousse là avec Messassi. Elle venait à l'église et le monsieur dit, ton église là, quitte là-bas, jusqu'au jour où elle m'écrit. Elle me dit, papa, c'est grave. Mon mari est dans le coma, il va aller en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé le matin, il a conduit, et arrivé au carrefour Messassi, il a perdu les freins. Il a cogné plusieurs personnes, trois sont morts, un dans le coma, lui-même dans le coma, et pendant qu'il est dans le coma, la population vient pour l'achever. Et un gendarme passait, il a protégé, il l'a envoyé à la gendarmerie, après on l'a envoyé à l'hôpital, après on lui a porté plainte, après on l'a envoyé en Konengi. Yes. J'ai prié pour lui. I prayed for him. Le jour où on devait le juger, the day that they have to judge him. Le dimanche, the Sunday, sa femme est venue me voir. His wife come to see me. Avec la photo. With the J'ai parlé. I spoke. Il dit, va avec la grâce. I said, go with the grace. Et il est sorti de prison. And he went out. Yes! Écoute-moi maintenant. Listen to me now. Toute prison mystique où on a mis ta vie, avant 3h du matin est brisée. Avant 3h du matin est brisée. Avant 3h du matin est brisée. Toute prison mystique où on a enfermé tes enfants est brisée ce matin. Toute prison mystique où on a enfermé tes finances. Toute prison mystique, on a enfermé ton mariage. Brisé. On a enfermé ton étoile. Brisé. On a enfermé ta destinée. Brisé. On a enfermé tes projets. Brisé. On a enfermé ton avenir. Brisé. 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 Au nom de Jésus. Assieds-toi. Yes. Il y a quelques semaines, il vient, il m'écrit, il me dit, papa, je veux te voir. Bon, quand il est sorti de prison, il est venu à l'église, il est ancien d'église. Yes! Alléluia. Amen! Il dit, papa, maintenant c'est papa, il me dit, papa, je veux te voir. Mon problème que tu connais là ne vient pas de loin. Il y a un hôtel dans ma famille qui dit que personne ne doit réussir. Et tout le monde doit mourir vers 40 ans. Mon grand-père est mort vers 40 ans d'accident.
Mon père est mort avec 40 ans d'accident. Moi aussi j'ai fait l'accident. Yes. Et je lui ai dit, le malheur des sorciers de ta famille, c'est qu'ils ont tué ton grand-père à partir d'un hôtel. Yes. Ton père à partir d'un hôtel. Yes. À ton niveau, Dieu t'a donné un nouveau père. Dieu t'a donné un nouveau père. Je suis venu ce matin en tant que ton père spirituel. Je suis venu ce matin en tant que ton père spirituel. Quel qu'en soit l'autel de famille qui combat ta vie, je me tiens sur cet autel pour défendre ta vie. Quel qu'en soit l'autel de famille qui vous impose la mort, je me tiens sur cet autel pour annuler la mort. Je prie pour toi ce matin. Dans votre famille, l'autel dit échec. Dans cette église, l'autel dira réussite. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. Dans votre famille, l'autel dit célibat. Dans cette église, l'autel dit mariage. 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 Dans votre famille, l'autel dit maladie incurable. Je me tiens sur cet autel. En tant que ton père, je te libère des maladies. 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 L'autel de ta famille a dit misère, pauvreté, non accomplissement, blocage, échec. Ce matin, je me tiens sur cet autel et je déclare élévation, 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 promotion, richesse, abondance, succès, bonheur, faveur, gloire, 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 au nom de Jésus. Assieds-toi. Yes. Je lui ai dit, ton grand-père your a été combattu par un hôtel. Ton père, par le même hôtel. La grâce que tu as, the grace you have. Dieu t'a donné un nouveau père. God yes. Gave you a new father. L'hôtel de ta famille va rencontrer l'hôtel de l'église. S'ils étaient sages, ils t'auraient tué avant que tu n'entres à l'église. Yes. Comme Dieu savait que j'allais être ton père, il t'a protégé. Comme tu m'as rencontré. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Mort précoce, échec, humiliation, célibat, pauvreté, non accomplissement, rejet, misère, lamentation, trop tard. Yes. Écoute-moi très bien. Listen to me. Tu n'es pas entré ici par hasard. You did not enter here. L'autel qui combat ta vie, the altar fights against your life, ne peut pas avoir pitié de toi parce que tu pleures. Cannot have pity upon you because mais l'autel qui combat ta vie, but the altar fighting against your life, sera neutralisé cette nuit. Amen. Sera paralysé cette nuit. Amen. L'autel qui combat ta vie, sera combattu par l'autel qui a sur ma vie. Amen. Sera terrassé par l'autel qu'il y a dans ma vie. Amen. Hôtel contre hôtel. Yes. À partir de cette nuit. Hôtel contre hôtel. Dans tes affaires. Hôtel contre hôtel. Pour ton mariage. Hôtel contre hôtel. Pour tes finances. Hôtel contre hôtel. Pour tes activités. Hôtel contre hôtel. Pour ton ministère. Hôtel contre hôtel. Yes. J'ai dit à cette ancienne église, calme-toi. S'ils pouvaient, ils l'auraient fait avant que tu ne me rencontres. Yes. Dans l'église, comme tu vois l'enfant de Dieu, in the church, children of God, chaque enfant de Dieu
Every child of God est connecté à un serviteur de Dieu. Yes. Et chaque serviteur de Dieu a reçu un mandat de Dieu. Amen. A from God. Cette semaine, this week, ce soir, this night, ce mois, this month, j'ai reçu un mandat. I received a mandate. Tu ne traverses pas la nouvelle année en étant emprisonné dans un hôtel. Yes. Mon Dieu te libère. 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 Au nom de Jésus. Un jour, Dieu rencontre un monsieur qu'on appelle Abraham. One day God met a man called Abraham. Et quand Dieu rencontre Abraham, il a 75 ans. And when God met Abraham, he was 70. Et Dieu lui dit, je te bénirai. And God said, I will bless je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Tu seras une source de bénédiction. You will be the spring of blessing. Celui qui te bénit sera béni. Whosoever will bless you ceux will qui be blessed. Te maudit seront maudits. Whosoever will curse you will be cursed. Mais ce Dieu but that God qui vient de promettre à Abraham, that had just promised to Abraham a donné des préalables à Abraham. Gave the principle to Abraham. Dieu peut te bénir. God might bless you, mais l'autel te combat toujours. But the yes. adversary fights you. Dieu peut te bénir. God might bless you, mais l'autel te réclame toujours. Yes. C'est à cause de you. Cela que quelqu'un peut commencer à briller financièrement et quelques temps après tout s'écroule. Le Dieu de Genèse chapitre 12, the God of Genesis 12 connaissait d'où venait Abraham. Yes. Abraham était issu d'une famille de sorciers. He was coming out of the family of wizards. Le père d'Abraham s'appelait Térakh. The father of Abraham called Térakh. Et Térakh a eu trois enfants. And Térakh having three children. Cet Abraham que Dieu sélectionne, that Abraham God sélectionné, Dieu lui dit que tu seras père d'une multitude. God told him you will be the father of Dieu lui dit que tu seras père des nations. You will be the father of nations. Mais Abraham n'arrive pas à faire des enfants. But Abraham can't make a child. La femme d'Abraham est stérile. The wife of Abraham is barren. Pourquoi? Why? L'autel de la maison du père d'Abraham, because of the father's a imposé Abraham cette stérilité. Imposed that barrenness. Le père d'Abraham a eu trois enfants. The father of Abraham has three children. Et parmi les trois enfants, Abraham est là. Among the three, Abraham is among them. Et Abraham, je crois, est le deuxième. And Abraham is the second one. Le premier n'a pas eu d'enfant, il est mort. The first one did not have a children. Le deuxième, Abraham n'est pas encore mort, mais il n'a pas d'enfant. Abraham is not yet died, but he has mais no le troisième children. Est têtu. And the third is stubborn. L'autel dit pas d'enfant. The altar said not your child. Lui dit je vais faire les enfants. He said I will make children. Et dès qu'il a fait les enfants, when he put birth to children, Lot, il est mort. Time. Yes. Quand l'autel interdit le mariage, si tu forces, on va te tuer. When the altar forbids the marriage, if you force, they will kill quand you. Quand l'autel interdit la richesse, si tu forces, on va te tuer. When the altar forbids the riches, if you force, they will kill you. Quand l'autel interdit les voyages, si tu forces, on va te tuer. When it prohibits travel, if you force, they will kill you. Quand la barrière de ta vie c'est un autel. When the barrier of your life is an altar. Tu dois venir chercher le renfort chez un autre autel. Come the reinforce on the other altar. Sinon tu es mort. Unless you die. Le jeune frère d'Abraham est mort avant son temps. The young brother of Abraham died before parce he died. Que because il a forcé. Because he forced. Et quand il meurt, and when he died, il laisse Lot. He leave Lot. Et quand Dieu rencontre Abraham, and when God met Abraham, Dieu dit à Abraham, God told to Abraham, si tu veux que cette bénédiction promise se réalise, il faut te déconnecter de leurs hôtels. Yes. Et là où altar, je vais t'amener, il faut bâtir les hôtels. And when I will leave you, build altar. Quand Dieu veut te délivrer des hôtels de ta famille, when God wants to deliver you from the family, il te connecte à un hôtel he connects you to some altar, sur lequel tu vas faire des sacrifices, on which you will make sacrifices, sur lequel tu vas faire des prières, on which you will make prayers, des invocations, invocation, sur lequel tu vas parler, on which you will talk, sur lequel tu vas servir Dieu, on which you will serve God, et c'est l'autel là qui va combattre pour toi. And that altar Amen. Will fight for you. Écoute-moi très bien. Listen to me. Comme tu es venu à l'église là, as you came in the church, tu n'as pas d'autre choix que de servir Dieu à l'église. You have no yes. choice to serve God in the church. La seule chose qui peut faire que l'autel de l'église te fasse du bien, c'est que l'autel de l'église te reconnaisse d'abord. The only Amen. Thing that can do good in the on a beaucoup de personnes dans l'église que l'autel de l'église ne reconnaît pas. There are many people in the church they don't recognize by the dans le règne spirituel, in the spiritual world, chaque entité reconnaît quelle est l'entité qui domine. Every entity yes. recognizes the entity quel est l'autel qui prédomine.
The altar rules. Tu ne peux pas t'élever. You cannot obtain. Tu ne peux pas prospérer. You cannot be prosperous. Tant que l'autel de ta famille domine sur ta vie. As long as the family's altar rules over et your quand life. Tu viens à l'église. And when you come in the church. Et que tu viens te soumettre à cet autel. And you come to submit to this et altar. Que tu viens entrer dans cette alliance. You come to enter in that covenant. Chaque alliance a ses principes. Every Amen. Has its principles. Chaque autel a ses esprits. Every Amen. Altar has its les autels sataniques ont leurs démons. Satanic altar has l'autel dit à l'église a l'esprit de Dieu the altar in the church has the spirit of God et les anges. And the yes. L'esprit de Dieu the spirit of God et les anges. And angels. L'ange te garde, the angels te protège, protects you, intervient pour toi intervene in your favor. Si l'autel te reconnaît. If the yes. Ce n'est pas un hasard. It is not by a chance. Si on peut être dans la même église, certains ont les témoignages, d'autres n'ont pas. If we can be in the same church, others have testimony and others not. La différence est au niveau de la reconnaissance à partir de l'autel. The difference is between the different the recognizing. Tout hôtel établi s'entretient. Every altar erected entertains. L'hôtel établi à l'église s'entretient par ceux qui bénéficient de l'hôtel de l'église. Amen. Erected is kept by those. Est-ce que tu sais que la première chose que Dieu nous demande, don't you know that the first thing God asks to us, après qu'on soit né de nouveau, after he had been born, c'est d'offrir nos corps à l'hôtel. Is to offer our body to écoute-moi, ça là, ça, ce bâtiment, this building, cette salle, this hall, cette église, this church, dépend que de l'hôtel-ci. Yes. Only from this les miracles, miracles, les bénédictions, blessings, les promotions, promotions, le succès, success, tout ce qui se passe ici all what happens dépend here de l'hôtel. Yes. En fait, ça, c'est une matérialisation physique. This is a materializing. Mais l'hôtel, c'est cet endroit spirituel spiritual à partir duquel Dieu agit. And from God en faveur de ceux qui sont connectés à cet hôtel. Yes. Of those who are connected to et chaque hôtel a ses anges. Has his Amen. Chaque hôtel a sa mission. Has his Amen. Mission. Chaque hôtel a son onction. Amen. Chaque hôtel a sa puissance. Amen. Chaque hôtel a son pouvoir. Has his power. Amen. Tu peux être proche d'un homme de Dieu, mais loin de son hôtel. Tu peux avoir le numéro d'un homme de Dieu, mais tu n'es pas connecté à son hôtel. Tu peux même avoir un titre dans l'église, mais tu es loin de l'hôtel. Yes. Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent à l'église, sont engagés, connectés à l'hôtel, mais la distraction dans l'église les déconnecte de l'hôtel. Un signe que tu es connecté à l'hôtel, tu obéis à toutes les instructions qui viennent de l'hôtel. Yes. Je te donne un conseil ce matin. L'église est facile. L'église. C'est l'obéissance. Yes. L'église, c'est l'humilité. Yes. L'église, c'est la soumission. Yes. C'est facile. It's easy. Quand ça vient de l'autel, tu obéis. Les bénéfices de l'autel se déversent dans ta vie. Amen. Dès que tu commences à dire dans ton cœur, c'est trop, on est fatigué, on ne veut pas. Mieux, quitte l'hôtel. Tu ne peux pas bénéficier d'un hôtel auquel tu n'es pas soumis. On which you are yes. not submitted. L'hôtel la croix the avec the une mission. Having the mission tuer Jésus, kill Jesus. Sacrifier Jésus, sacrificing liquider Jesus. Jésus. Jésus a dit à un moment donné s'il était possible, Jesus, if it was possible la croix dit petit. The cross said small. Ma mission, my mission c'était sacrifier. Yes. Soit tu obéis, you just obey. Soit tu obéis. Yes. Obey. Jésus ne pouvait pas être souverainement élevé s'il ne se soumettait pas à la prescription de l'autel. Yes. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. There are things God wants to do in your mais life. Tu n'es pas prêt à te soumettre à l'autel. But you're not ready to submit yourself to the altar. C'est une nuit de prière et de délivrance. It's a night of prayer and deliverance. On va aller étape par étape. We are going to go step by chacun step. Ici a des problèmes dans sa famille. Everyone has the problem on his on family. A des problèmes de mort précoce. We have the premature parce death. Qu'il y a un hôtel qui impose ça. Because there is altar on va prier à partir de cet hôtel we are going yes. to pray from this pour altar détruire ça. To this Amen. Il y a des gens dans les familles there are people in families, maladies incurables incurable disease, à partir d'un hôtel as from the altar. On garde ça
ça cette nuit. Amen. Il y a des gens dans les familles, c'est la pauvreté. On saccage ça cette nuit. Amen. D'autres, c'est le célibat. On détruit ça cette nuit. Amen. D'autres, c'est la limitation. Ah. On brise ça cette nuit. Amen. Quel qu'en soit l'autel no de ta famille maternelle family, qui combat ta destinée, ça s'arrête cette nuit. Amen. Quel qu'en soit l'autel no answer, de ta famille paternelle family, qui bloque ta destinée, ah, ça s'arrête cette nuit. Amen. Ce qui est arrivé à Abraham, yes, à ton niveau, ça va s'arrêter. Amen. Ce qu'on imposa à ton papa, yes, à partir de cette nuit, ah, ça s'arrête. Amen. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Toutes les grâces, all the grace, toutes les bénédictions, all the blessings, tout l'onction, all the anointing, qui émane de cet autel, coming out of this altar, nous devons l'exploiter pour ta vie. We are going to Amen. Exploit it for your life. Nous devons l'exploiter pour ta vie. You are going to Amen. Exploit it for your life. Frères, brothers, les sorciers, wizards, à partir de l'autel familial, from the family's altar, se moquent de vos efforts, they mock about your efforts, se moquent de vos recherches, they mock about your sins, se moquent de votre capacité à vous battre, they mock about your struggling, parce qu'ils savent que si tu n'as pas d'autel, because they know that if you, tu ne peux pas les combattre. Without altar, you cannot fight them. Frères, brothers, il n'y a que sacrificateur qui bâtit l'autel. Only the yes. priest that can erect an altar. Et on se connecte à un sacrificateur pour bénéficier de son autel. And we connect to the priesthood to connect to his altar. Les deux types de personnes qui baptisent les autels, c'est les prophètes et les sacrificateurs. Two kinds of persons that erected an altar, the prophet and the priesthood. Le prophète, the prophet, bâtit l'autel, builds the altar, parce qu'il prend de Dieu. Because he takes from il donne aux hommes. And he gives to the men. Il faut un autel pour faire le transfert. To make the yes. transfer. Le sacrificateur, the priest, bâtit l'autel parce qu'il prend des sommes. Because he takes il donne men. À Dieu. And yes. he gives il faut God. Un autel pour faire le transfert. To make the transfer. Dans nos familles, in our families, il y a des sacrificateurs sataniques. They are satanic priests. À partir des autels, they build the altar, ils prennent nos destinées, they take our destiny, ils transfèrent au diable. And they transfer it to the ils prennent nos étoiles, take our star, ils transfèrent au diable. Transfer to the ils prennent nos enfants, take our children, ils transfèrent au diable. Transfer to the devil. Dans nos familles, in our families, il y a des prophètes sataniques, they are satanic prophets, comme Balaam. Like Balaam. Ils prennent des programmes sataniques du diable. They take the evil program from the devil. Maladie, sickness, échec, failure, humiliation, humiliation, célibat, celibacy, à partir de l'autel, from the altar, ils mettent dans nos vies. They put in our lives. Dans l'église, in the church, il y a des sacrificateurs de Dieu. They are God's priests. Il y a des prophètes de Dieu. They are God's prophets. Qui prennent de Dieu. They take from God. Bénédiction, blessing, faveur, favor, grâce, praise, mariage, marriage, santé, health, la vie, life, succès. Success. Ils donnent aux hommes. They give to men. Et ils prennent les problèmes, and they take the cases, les maladies, sickness, non accomplissement, fulfillment, célibat, celibacy, mort précoce chez les hommes. Il renvoie à Dieu. They send it back to God. Le travail qu'on va faire ce soir, the work we are going to do, c'est tonight, un travail prophétique. It's a prophetic yes. work. Prendre de Dieu, taking from God, et te donner, and give yes. you à partir de l'autel. Amen. Prendre tes problèmes, yes. remettre à Dieu, give it to God, à partir de l'autel. Amen. Je ne connais pas les problèmes que tu as. I don't know the problem you're facing. Je ne connais pas les attaques que tu as. I don't yes. know the attack mais you have. À partir de l'autel, on va transférer ça chez Dieu. We are going to Amen. On va transférer ça sur la croix. Amen. On va transférer ça sur la croix. Amen. Dis amen, tu es béni. Amen. Je finis cette première partie I conclude this first part. En te disant qu'on va faire une série de prières. While saying that we are going to make a lot of topic of On va attaquer les hôtels côté maternel. We are going to attack maternal altars. On va attaquer les hôtels côté paternel. Yes. Altars. Pendant 15 minutes. During 15 minutes. Tu vas prier comme un sorcier. You are going to pray. Tu vas prier like plus qu'un sorcier. You are going to pray more than a wizard. Ta prière doit dépasser les incantations des sorciers. Your prayer will surpass the incantations. Si le sorcier parle pendant 5 minutes. If the wizard speaks during te bloquer. To bless you up. Tu vas parler pendant 10 minutes yes. pour que tu sois débloqué. Amen. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Mets-toi debout. Puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Jésus est puissant guerrier.
puissant guerrier. La kata le ke li kayada baba. La kata le brushi kata yada baba. Jésus. Père, au nom de Jésus. Que tout hôtel satanique. Que tout hôtel satanique. De mort précoce. De mort précoce. Dans ma famille maternelle. Dans ma famille maternelle. Tout hôtel satanique. Tout hôtel satanique. De mort précoce. De mort précoce. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille paternelle. Soit brisé cette nuit. Soit brisé cette nuit. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Les hôtels de mort, brise. Les hôtels de mort, brise. Des morts précoces, brise. Des morts précoces, brise. Des morts précoces, brise. 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 Ce matin, hey. Ce matin, hey. Ce matin, hey. Dans la famille, hey. Maternelle, hey. Paternelle, hey. Tout hôtel qui active, hey. Et impose, hey. La mort précoce, brise. Soit brisé. Sois brisé, pendant que tu pries, yes. En claquant les mains, rada da 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 sont soufflés par les hôtels. Hey. J'ai prié pour une fille ici à Douala, il y a quelques années, qui avait fait 7 ans de chasteté. Et chaque année, elle partait faire son bilan. Et la 7e année où elle est partie faire son bilan, elle avait le VIH. Hey. Mm-hmm. Le diable lui a dit que ce que tu veux voir là, tu vas donc voir. 7 ans sans connaître l'homme. Mais on lui a lancé le VIH là dans la sorcellerie. Il y a des maladies que tu as, pas parce que tu as péché plus que les autres. Il y a des maladies que tu as, parce que l'hôtel dit que dans votre famille, vous devez avoir ça. Et l'hôtel agit sur ton corps. Quand l'hôtel agit sur ton corps, numéro 1, ça donne les maladies. Numéro 2, ça dépose la pauvreté sur tes mains. Je vous ai expliqué. Il y a 2 malédictions sur les mains. La malédiction de la PC, tout ce que tu touches, pas. La malédiction de la main sèche, tout ce que tu touches ne se multiplie pas. La main percée, on te donne tout ce que tu veux investir, ça tombe. La main sèche, tu veux faire une affaire, ça se bloque. Hey. Nous allons attaquer les hôtels qui se sont levés contre nos corps. Pour nous imposer les maladies.
Yes. Il y a une maladie dans ta famille que tu n'as pas encore, mais qui va te prendre si on ne casse pas l'autel. Yes. Dans les familles où il y a la folie, tu peux ne pas avoir la folie, ton dernier fils a la folie. Dans les familles où il y a le diabète, dans les familles où il y a le VIH, tu peux ne pas avoir le VIH. Ta première fille se fait violer à 16 ans par quelqu'un qui la contamine. Frère, il n'y a pas de hasard sur la terre. Ce qu'on vit physiquement, c'est la résultante des actions spirituelles. Il n'y a pas la malchance. Ce que tu vis là a été établi dans le règne spirituel. Yes. On va d'abord prier contre les maladies. L'autel de famille maternelle ou paternelle qui impose les maladies. Tu vas citer les maladies qu'il y a dans ta famille. Yes. Et tu vas chasser ça de ta vie en brisant l'autel. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout autel de sorcellerie. Que tout autel de sorcellerie. Dans ma famille maternelle. Dans ma famille maternelle. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille paternelle. Qui nous impose les maladies. Qui nous impose les maladies. Cancer. Cancer. Hépatite. Hépatite. Diabète. Diabète. VIH. VIH. Hypertension. Hypertension. Folie. Folie. Myome. Myome. Kyste. Kyste. Fibrome. Fibrome. Stérilité. Stérilité. Maladie rare. Maladie rare. Maladie génétique. Maladie génétique. Maladie incurable. Maladie incurable. Ce matin. Ce matin. Ces hôtels sont brisés. Ces hôtels sont brisés. Pendant que je prie. Ah. Pendant que je prie. Elia, qui impose les maladies incurables, le VIH, l'hépatite, le myome, le sida. Ce matin, brise, dans ta vie, ces hôtels, brise-les. Brise à la maison de ta mère. Brise l'autel. Pendant que tu pries, c'est brisé. Tout autel qui s'attaque à ton corps par une maladie. Ce matin, brise. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen fort. Amen. Tu vas prier contre tout autel côté maternel qui s'attaque à l'œuvre de tes mains. Côté paternel qui s'attaque aux fruits de tes mains. Yes. Dieu bénit nos mains pour qu'on ait l'argent. Dieu bénit nos mains pour que nos affaires marchent. Yes. La prière ne bénit, ne donne pas l'argent. C'est le travail des mains qui donne l'argent. Yes. Mais quand tes mains sont percées, tu es mort. Le malheur de l'église, c'est que vous priez beaucoup, mais où sont les mains? L'autel de famille vous laisse prier, mais l'autel de famille hypothèque le résultat de vos mains.
Voici la dernière prière de cette série. Comment on prie en claquant les mains là? Toute malédiction de la main percée, toute malédiction de la main sèche, sa main aujourd'hui. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout hôtel de sorcellerie. Que tout hôtel de sorcellerie. Dans ma famille maternelle. Dans ma famille maternelle. Tout hôtel de sorcellerie. Tout hôtel de sorcellerie. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille paternelle. Qui attaque nos mains. Qui attaque nos mains. Nos affaires. Nos affaires. Nos projets. Nos projets. Nos travaux. Nos travaux. Nos entreprises. Nos entreprises. Nos finances. Nos finances. Nos finances. Nos finances. Ce soir. Ce soir. L'hôtel est brisé. L'hôtel est brisé. Pendant que je prie. Pendant que je prie. 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 Ce matin. Ce matin. Brisez l'hôtel. Brisez l'hôtel. Que la main sèche. Brise. Que la main percée. Tout hôtel. Qui t'impose. Brise. La sécheresse des mains. Brise. Qui pèse tes mains. Brise. Ce matin. Yes. Ce matin. Yes. Par le feu. Brise. Par le feu. Brise. Par le feu. Brise. Par le feu. Brise. Par l'autorité. Brise. Par le pouvoir. Brise. Ce matin. Yes. L'hôtel tombe. L'hôtel tombe. L'hôtel tombe. L'hôtel tombe. Tout hôtel. Qui bloque tes mains. Qui bloque tes mains. Qui sèche tes mains. Qui pèse tes mains. Qui est tout hôtel. Dans la maison de ta mère. Dans la maison de ton père. Qui bloque tes mains. Qui sèche tes mains. Qui pèse tes mains. Pendant que tu pries. Oh. L'esprit mandaté. Par cet hôtel. Ce matin. Ce matin, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, brise, brise, ces hôtels, brise-les, en claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains, brise, 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 impose aussi la limitation. 5 millions, dès que tu atteins la limite de 5 millions, soit tout s'arrête, tu chutes, soit un scandale se produit, tu chutes. Dans chaque famille, il y a une limite fixée par l'hôtel. On ne construit pas ici, on n'a pas le terrain ici, on ne voyage pas ici. On n'atteint pas un certain niveau financier, social ici. C'est toi qui dois briser la limite là. Amen. Quelle est la limite qu'on a fixée à ta mère? Tu vas te marier, mais tu vas souffrir. Il y a des limites qui attaquent le mariage. Tu peux rester en concubinage avec un homme, mais si tu te maries, tout se gâte. J'ai reçu une jeune fille ici il y a quelques mois qui a fait 9 ans de concubinage. L'année où elle se marie, le jour du mariage, sa belle-mère lui a dit: je vais te faire. Hey. De ce jour jusqu'au jour où elle est venue me rencontrer, ça fait 1 an, elle n'a pas couché avec son mari. Hey. Je te parle d'une affaire où même à la lune de miel, ils n'ont pas couché. Parce que la belle-mère a dit: je vais te faire. Et le jour où elle venait me voir, c'était pour me que je prie pour elle. Mais elle avait appris sa décision de divorcer. Donc pour elle, le concubinage était mieux que le mariage. Donc la limite à imposer,
de concubinage. Un homme peut t'aimer jusqu'à ce qu'il t'épouse. Une qualité de personne peut te faire du bien jusqu'à ce que tu aies l'argent. Et change avec toi. Parce que la limite, c'est que tu ne dois pas avoir l'argent. Dès que tu dépasses la limite, soit tout le monde se retourne contre toi, soit tu meurs pour rien. Qui t'a dit d'aller construire? Les femmes construisent dans cette famille. Tu as le gros cœur, tu peux construire. Et le village a appris que tu as construit. Hey. Tu vas combattre, madame. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. De tout hôtel. Tout hôtel. De sorcellerie. De sorcellerie. Dans ma famille maternelle. Dans ma famille maternelle. Tout hôtel de sorcellerie. Tout hôtel de sorcellerie. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille paternelle. Qui nous a imposé une limite. Qui nous a imposé une limite. Limite sociale. Limite sociale. Limite professionnelle. Limite professionnelle. Limite financière. Limite financière. Limite matérielle. Limite matérielle. Limite dans les relations. Limite dans les relations. Limite dans le mariage. Limite dans le mariage. Limite dans le ministère. Limite dans le ministère. Ce matin. Ce matin. Je brise les limites. Je brise les limites. Je brise les limites. Je brise les limites. Je détruis les limites. Je détruis les limites. Pendant que je prie, yes. Les limites. Ah. Brisez, 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 brisez. Brisez, 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 brisez. Brisez. Toute forme de limite. Hey. De la sorcellerie. Hey. De la famille de ta mère. Hey. De la famille de ton père. Hey. T'as imposé. Hey. Les limites financières. Sont brisées. Les limites matérielles. Sont brisées. Les limites relationnelles. Sont brisées. Professionnelles. Sont brisées. Dans ta santé. Sont brisées. Dans tes affaires. Sont brisées. Dans tes finances. Hey. Ce matin. Yes. Pendant que tu pries, les limites tombent. Les limites tombent. Les limites tombent. Les limites tombent. Dans ta vie. Les limites dans ta vie. Dans ta santé. Dans tes projets. Dans tes projets. Dans tes relations. Dans ton ministère. Dans ton mariage. Ce qui a arrêté ma main ne m'arrêtera pas. Jamais. Ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Jamais. Je dépasse les limites. Yes. Dans les affaires. Je dépasse. Dans les finances. Je dépasse. Dans le ministère. Je dépasse. Socialement. Je dépasse. Financièrement. Je dépasse. Professionnellement. Je dépasse. Dans tous les domaines. 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 Je dépasse. Tu dépasses les limites. Hey. Là où ton père s'est arrêté, c'est là que tu commences. Yes. Là où ta mère s'est arrêtée, c'est là que tu commences. Maternelle, maternelle, tu dépasses. Tu dépasses. Tu dépasses. Tu dépasses. Financièrement. Je dépasse. Financièrement. Je dépasse. Maritalement. Je dépasse. Dans tes projets. Je dépasse. Dans les affaires. Je dépasse. Dans la vie professionnelle. Je dépasse. Tant que tu pries. Yes. Tu franchis les limites. Maintenant. Tu les débordes. Yes. Tu les dépasses. Je dépasse. Pendant que tu pries. En claquant les mains. Et en claquant les mains. Et en claquant les mains. Dépasse. Dépasse-les. Dépasse. Ton père. Je dépasse. Ta mère. Dépasse. Ton oncle. Dépasse. Tes frères. Dépasse. Tes soeurs. Dépasse. Tes soeurs. Dépasse. Financièrement. Dépasse. Relationnellement. Dépasse. Professionnellement. Dépasse. Socialement. Dépasse. Dans ton ministère. Dépasse. Dans tes finances. Dépasse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des hôtels qui sont des prisons mystiques.
vous partez aux États-Unis, vous partez en Égypte, vous partez au Maroc, vous partez au Canada, vous partez en Belgique, mais l'hôtel vous maintient en prison. Tu es en mariage, mais l'hôtel te maintient en prison. Maintenant, tu vas prier pour casser les prisons. Yes. Écoute, l'avantage avec cette libération, c'est que dès que tu es libéré, toute ta famille est libérée en même temps. Amen. Quand Paul et Silas sont sortis de la prison, tous les prisonniers qui se moquaient d'eux, pendant qu'ils chantaient, se sont aussi levés, ils les ont suivis. Yes. La prière que tu vas faire ici, c'est une libération familiale. Amen. C'est une prière que tu vas faire pendant 5 minutes sans t'arrêter. Yes. Toute prison familiale, côté maternel, toute prison familiale, côté paternel, brisé. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout hôtel satanique. Que tout hôtel satanique. Prison mystique. Prison mystique. Dans ma famille maternelle. Dans ma famille maternelle. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille paternelle. Est terrassé. Est effondré. Pendant que je prie. Effondrement des prisons. Jésus, amen. Amen. Tout propriétaire d'hôtel, hey. Tout gardien de l'hôtel, hey. Meurt. La prière, si ton voisin dort, c'est compliqué. Le totem qui garde l'hôtel meurt. Amen. Tous ceux qui vous ont lancé, retour à l'envoyeur. Retour. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout propriétaire d'hôtel. Que tout propriétaire d'hôtel. Tout gardien d'hôtel. Tout gardien d'hôtel. Tout totem d'hôtel. Tout totem d'hôtel. Tout totem d'hôtel. Tout totem d'hôtel. Qui contrôle nos familles. Qui contrôle nos familles. Maternelle. Maternelle. Paternelle. Paternelle. Mais pendant que je prie. Pendant que je prie. Le gardien de l'hôtel. Le totem de l'hôtel. Frappe maintenant.
ce matin, il tombe. Pas de quartier, il tombe. Personne ne s'échappe, il meurt. Personne ne s'échappe, il meurt. Personne ne fuit, il meurt. Personne ne fuit, il meurt. Pendant que tu pries, yes. Le feu est consumé. Le feu est consumé. Le feu est consumé. Le feu est consumé. Détruis-les. Yes. Détruis-les. Détruis. Détruis-les. Détruis. Par le feu. Détruis. Par le feu. Détruis. Par le feu. Détruis. Tout quartier d'hôtel. D'hôtel, tout totem, d'hôtel, ce matin, yes. Par le feu, il 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 n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, il détruit, détruit, tout quartier d'hôtel, tout totem, commence à tuer. Au nom de Jésus, amen. Assieds-toi. Frère, brother, notre destinée dépend de notre qualité de prière. Our destiny depends on our quality of prayers. Les prières que tu vois que nous on fait encore là, on a fait ça depuis près de 20 ans. The prayer we are just doing, we make it since 20 years. Et Dieu nous a amené à un niveau, mais ce n'est pas suffisant. And God brought us in the level, but on prie encore. We still pray again. On veut voir Dieu. We want to see God. On veut voir la gloire de Dieu. We want to yes. On veut expérimenter la grâce de we Dieu. Want to experience God's grace. Prier. Prions jusqu'à ce que quelque chose change. Pray amen. Something happen. Lorsque l'autel est renversé, when the altar is pulled down, tu ressens la différence dans ton corps. You feel the difference in your body. Lorsque l'autel est renversé, when the altar is pulled down, tu ressens le changement dans ton âme. You feel yes. The change in your soul. L'âme est le siège des émotions, the soul is the dwelling des sentiments, of feelings, de la pensée. Of thoughts. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled les down, envies de suicide te quittent. The committee society quand l'autel est renversé, when the altar is les grès te quittent. Yes. La jalousie you. Te quitte. Yes. L'hypocrisie te quitte. Yes. Le découragement te quitte. Yes. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled tu down, sens le changement dans ton esprit. You feel yes. The changing in your spirit. Est-ce que tu sais que ce que tu deviens est fonction de ce que est ton esprit? Do you know what you become is function about what your spirit is? C'est l'esprit de l'homme it's the spirit of man qui conduit l'homme. That leads the man. Ce que tu feras what you will do est fonction de ce que perçoit ton esprit. Depends yes. On what your spirit perceives. Ce que tu obtiendras what you will get est fonction de ce qu'est capable de recueillir, de posséder ton esprit. Depends yes. On what your spirit is able to possess. Si tu as un esprit qui voit petit, if your spirit sees small, tu auras de petites visions. You will have small vision. Et toute petite vision conduira à des petites réalisations. And every small vision leads to small et toute petite réalisation conduira à des petites possessions. Every small fulfillment will lead to tu aimes la petite maison, petite voiture, petit business à cause de ton petit esprit. Small car, small business because of your small spirit. Avant la fin de cette nuit, before the end of this night, j'élargis ton esprit au nom de Jésus. I extend your spirit. J'agrandis ton esprit au nom de Jésus. I extend your spirit. Tu commences à voir grand. You start yes. See great. Penser grand. Parlez grand, confessez grand, confessez grand, confessez grand, au nom de Jésus. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, il y a un changement dans la famille. There is a changing yes. Upon your family. Les mariages qui étaient rares, oui. Grave, les gens yeah. Commencent à se marier. Amen. Ça va commencer dans ta famille. Start upon your family. Ça va commencer dans ta famille. Start upon your family. Ça va commencer dans ta famille. Start upon your family. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, l'argent qui était rare, the money was kept. Les gens commencent à toucher l'argent. People start talking money. Ça va arriver dans ta famille. Ça va arriver dans ta famille. Ça va arriver dans ta famille. À partir de cette nuit, je chasse la pauvreté de ta famille. Je chasse la pauvreté de ta famille. Ton cousin aux États-Unis va acheter les maisons. Ta tante qui est en France sera bénie. À partir de tes prières ici, je relâche la grâce financière dans toute ta famille. Ta mère est bénie. Ton père béni, amen. Tes enfants bénis, amen. Tes frères bénis, amen. Béni, 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 amen. Béni, 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 amen. Au nom de Jésus.
Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, on sent le changement dans la famille. We feel the changing upon the family. On sent que les gens dans la famille respirent déjà. We feel that people breathe. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, ceux qui n'avaient rien commencent à posséder des biens. The good nothing having for passing. Frère. Brothers, le Dieu qu'on sert, the God we serve, c'est le Dieu de l'apôtre Pierre. Is the God of Apostle l'apôtre Peter, Pierre, Apostle Peter, c'est le disciple courageux is the courageous disciple qui avait dit à Jésus, told to Jesus, nous avons tout quitté we leave all, et nous t'avons suivi. And we followed you. Qu'est-ce qu'on gagne? What we et gain. Jésus leur a dit, and Jesus replied there, quel qu'en soit ce que vous avez quitté, whatever you leave, vous allez recevoir you shall receive. Des terres. Des maisons, houses, entreprises, familles, families, au centuple, hundred stars, dans ce siècle-ci in this century, et dans le siècle à venir. And the future century, le Dieu de l'apôtre Pierre, the God of Apostle Peter, c'est le Dieu qui donne les biens. Is the God gives prosperity. Frère, brothers, quand tu vois un chrétien when you see a Christian, qui te dit que telling that ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu as Dieu. It is not because you have money that you have God. Parce que tu as une grande église que tu as Dieu. It is not because you have a great church. C'est parce que tu voyages que tu as Dieu. It's not because c'est parce que tu t'es marié que tu as Dieu. It's not because you get married that you have God. Ce chrétien est aigri. That Christian is called. Moi je lui réponds. I reply him. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu as Dieu. It is not because you are poor that you have God. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu as Dieu. It's not because you are bachelor that you have. C'est pas parce que ta vie est misérable que tu as Dieu. It's not because your life is miserable. Ce n'est pas parce que tu es sale que tu as Dieu. It's not because you are dirty that you have God. Si ma richesse, if my riches, t'énerve, vex you, ta pauvreté, your poverty, m'énerve. Amen. Donc quand un ennemi te voit prospère, so when an enemy sees you prosper, il commence à dire que la richesse ça ne veut pas dire que c'est Dieu. He said that this wealth doesn't mean that it's God. Frère, brothers, si j'ai connu Dieu étant pauvre, if I knew God being et poor, que j'ai déjà l'argent, and that I have c'est already que ma money, richesse c'est Dieu. It means my richesse is God. Yes. Si j'ai connu Dieu if I knew God, étant misérable, being miserable, et qu'aujourd'hui and that no one's there, je suis bien, I am cool, c'est que ce que j'ai, it means what I c'est have Dieu. Is God. Si j'ai connu Dieu if I knew God, étant maigre, being et que skin, depuis là and since that, j'ai pris le poids, I take c'est que mon poids là it means that my back, c'est Dieu. God is involved. Écoute-moi bien. Listen to me. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, tu sens le changement dans tes possessions. You feel the changing on your property. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, tu sens le changement dans tes comptes bancaires. You feel the changing on your j'annonce à quelqu'un ici, I am going to come le Seigneur here. T'enrichit. Le Seigneur t'enrichit. Le Seigneur t'enrichit. Le Seigneur t'enrichit. Au nom de Jésus. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled tu down, sens le changement dans ton ministère. You feel the changing upon your ministry. Est-ce que tu sais que tu peux servir Dieu? Do you know that you can serve tu prêches God? Jésus. You preach Jesus. Tu chasses les démons. Casting out demons. Tu pries pour les malades. Pray for sicker. Mais l'autel t'enchaîne dans la misère. But the altar chains you up in misery. J'aime les pasteurs qui servent Dieu. I love pastors serving mais God. Quand tu sers Dieu, but when you serve God, enchaîné par l'autel de la sorcellerie familiale, chained up by the family's assets, frère, brothers, ton service sera frustré. Your service will be frustrated. C'est à cause de ça qu'on a des pasteurs remplis du Saint-Esprit mais aigris. That's why we have full of pastors filled with Holy Spirit. Quand tu vois un pasteur critiquer, seeing a pastor criticize, l'autel de sa famille l'a essoufflé. The family's attacks. Et il croit que ces problèmes viennent des pasteurs qui ont l'argent. And you believe that the problems come from the pastor having frère, money. Frère, ne t'en prends pas au pasteur qui a l'argent. Brothers, don't envy the pastor le having pasteur money. Qui a l'argent. The pastor having money n'a aucun problème avec toi. Has no problem with you. Il a pris le temps de traiter avec la sorcellerie de sa famille. He took time to deal with the family's si witchcraft. Si ton ministère in your ministry est frustré, is frustrated, renverse l'autel de la maison de ton père. Pull down the house of your father's home. Tout pasteur, every pastor, tout serviteur de Dieu, every servant of God, c'est le titre ne délivre pas. The title delivers not. Apôtre, apostle, évêque, prophète. Bishop.
prophet. L'autel de la maison de ton père ne respecte pas ton titre. The altar of your father's home respect not your title. Chantre de l'Éternel. Singer of the Lord. Général de Dieu. General of God. L'autel de la maison de ton père. The altar of your father's ne home. Ne respecte pas ton titre. Please respect your title. Tu dois combattre. You have to fight. Pour ta délivrance. For your deliverance. Quand l'autel est renversé. When the altar is pulled down. Quand l'autel est renversé. When the altar is pulled down. Tu sens le changement dans ton ministère. You feel the changing upon your ministry. Il y a des gens ici que Dieu a appelés. There are people called by God. À une époque tu avais les visions. At the time you having visions. À une époque tu parlais en langue. You talking in. À une époque, tu avais des révélations. You were having revelations. À une époque, tu priais, les malades étaient guéris. You were praying and the sick was healed. L'autel t'a frustré. And the altar frustrated you. Après cette nuit, after this night, je relâche l'onction sur ton ministère. I release an onction upon your ministry. Je relâche la grâce sur ton ministère. Amen. Je relâche la puissance sur ton ministère. Amen. Dis amen et tu es béni. Amen. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, tu sens le changement sur tes projets. You feel the changing upon your project. Le projet qui manquait de financement, the project lacking the financement. Tu as demandé les financements partout. You ask financement everywhere. Tu as cherché les financements dans les banques. You seek open bank. Les milliardaires que tu connais ont promis mais ils n'ont pas donné. The billionaires, they don't give. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, les gens que tu ne cherches pas te cherchent pour te donner. People you don't look, they look. You to give you. La sœur est à Marseille. The sister Grace. Elle a envie de créer une entreprise il y a quelque temps. She want to make up her enterprise. Elle voulait un crédit bancaire. And she want the credit. Elle allait à la banque. She went to the bank. La banque lui a dit on ne donne pas. They said that they don't give. Il y a quelque temps Dieu lui a mis à cœur de faire un sacrifice. A few times God. C'est Dieu qui lui a mis à cœur. God put in her heart to make the sacrifice. Et elle a fait le sacrifice. And she did. Tu veux que je te dise la vérité? Do you want to tell me the je n'ai pas dit merci. I didn't say thank je ne l'ai you. Pas béni. I did not say je n'ai pas prié pour elle. I did not pray for her. Elle dit, mon père, tu as vu? She said, my father, have you seen? Même, elle dit, j'ai vu. I say, I see. Ça s'est arrêté là. Day. Elle me crie, elle me fait les voix. Elle me dit, la même banque the same bank qui m'a refusé le crédit m'a rappelé. Yes. Elle me dit, mon père, said, l'argent du crédit est déjà dans mon compte. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise ce matin. Yes. L'argent qui t'a fui va te chercher. Je reçois. L'argent qui t'a fui va te chercher. Je reçois. Le financement qui t'a fui va te chercher. Je reçois. Quel qu'en soit le projet que tu as, avant la fin de cette année, yes, tu seras financé. Je reçois. Tu seras financé. Tu seras financé. Amen. Tu seras financé. Amen. Tu seras financé. Amen. Dis amen comme le tonnerre. Amen. Assieds-toi. Quelqu'un te fait le sacrifice, tu ne dis même pas merci, tu ne dis même pas Dieu te bénisse. Somebody makes a sacrifice, you don't say that God, may God bless you. C'est révérend pour les enquêtes comme ça. Révérend pour les like that. Est-ce que tu sais que quand tu donnes, tu me fais plus une faveur? Do you know that when you are giving, c'est you pour are sauver not making ta a favor, it saves your life. Vous donnez au pasteur et vous exigez leur reconnaissance parce que vous donnez au pasteur qui n'ont rien. You are giving to the pastor and you compel her to recognize. Je n'ai pas besoin d'être reconnaissant envers toi parce que tout ce que tu fais à l'église c'est pour ton bien. All things you do in the church is for your own good. Il ne dit même pas merci. He don't tell, si you. Je te remercie, if I thank tu you ne back, seras pas récompensé. You will not be rewarded. Si je te paye pour ton service, if I pay you back for your tu service, ne seras pas récompensé. You will not be rewarded. La récompense intervient. Quand tu poses une action et tu ne t'attends pas à un remerciement de l'homme, là, Dieu te bénit. God blesses you. Elle envoie, elle me dit, mon père, je t'envoie un sacrifice qui me fait mal. My father is saying the sacrifice. Le sacrifice me. Qui fait mal, là, je n'ai pas dit Dieu te bénisse dedans. I did not say that may God bless you inside. Parce que le sacrifice répond à des lois et des principes. Because sacrifice yes. reply to laws and principles. Quelle qu'en soit la prière qu'on fait, no matter the prayer we cannot quelle do, qu'en soit la prière qu'on ne fait pas, no matter the prayer we le sacrifice, do, the sacrifice fait couler le sang. Make the blood et le sang and the blood a une voix. Have a voice. Et la voix du sang and the voice of crie the blood de la terre jusqu'au ciel. Yes. Quand ce que tu fais comme sacrifice fait mal, when what you do as a sacrifice hurts you, ce qui fait mal là, what hurting you, c'est le sang.
is the blood. Et le sang a la voix. And the blood has the voice. La Bible dit que la voix du sang de Abel crie jusqu'au ciel. The scripture says that the voice of Abel cries out. Fais attention, Église. Watch out, church. Si c'est réellement le sacrifice que tu as fait, if it's indeed the sacrifice you have ça made, va marcher. It will work. Je dis ça va marcher. It will work. Ça va marcher. Tu fais le sacrifice chez moi, attends-toi des réactions bizarres. When you make a sacrifice, je peux prier pour toi comme je ne prie pas. I may pray for you like I cannot. Le plus important, c'est que j'ai reçu ton sacrifice. The most important is that I receive si your sacrifice. J'ai reçu ton sacrifice, if I receive your sacrifice, dors tranquille. Sleep well. Ça va aller. It will go well. Lorsque l'autel est renversé, when the altar is pulled down, ça change dans tes relations. It changes on your relationships. Ça change dans tes relations. It changes on your relationships. Enseigne maintenant pas en France comme elle venait. Mm. Parce que l'autel a été renversé. Because the altar has been pulled. Il y a quelques mois encore. Just a month ago. Elle me dit mon père a même quoi? She told me that what is 23 ans sur place. Frère, quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, celui qui te regarde the one looks you, et ne veut pas te donner, and do not want to give celui you, qui te regardait the one looks et ne voulait pas te donner, and do not want to give va te donner sans te regarder. We give you without looking you. Celui qui te promettait the one who promised you, sans te donner without giving you, va te donner sans promettre. They will give you without promising. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, les agents que tu chérissais the money that you were sharing deviennent tes serviteurs. Begin to be 1 million devient ton serviteur. Amen. 10 millions devient ton serviteur. 10 millions serve you. 20 millions devient ton serviteur. 20 millions of servants. Parce que l'autel est renversé. Because the altar is full. Et ma prière pour toi. And my prayer for you. Parce que l'autel est renversé. Because the altar is full. À partir de maintenant, as from now, l'argent devient ton serviteur. L'argent devient ton serviteur. L'argent devient ton serviteur. Quand l'autel est renversé, when the altar is pulled down, il y a un type de relation, there's a type of relationship qui te cherche, looks you, celui qui te parle actuellement, the one can talk to a you, une qualité de relation qui effraie, has a type of relationship, frère, make afraid, brother, 2024, toi-même tu auras peur de tes relations, you will be afraid about your relationship. Yes. Tu vas entendre là-bas. You will hear that. Tu es sûr que le ministre ne veut pas te vendre. Are you sure that the minister tu es sûr que le DG ne veut pas te vendre. They don't want to sell you. Frère, brothers, laisse-moi te dire, allow me to tell même you, si c'est un sataniste, even it's a satanist, quand il va te regarder, when he will look you, il aura l'impression que c'est toi qui peux le vendre. He will feel that if you can sell him. Je change tes relations. Je change tes relations. Je change tes relations. À partir de cette nuit, je te connecte au milliardaire. Oh, ton amen ne me. Oh, ton amen ne me. Je te connecte au riche. Je te connecte au puissant. Je te connecte au grand. Je te connecte au grand, 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 grand. Grand! Amen. Assieds-toi. Have your seat. Comme l'autel est renversé là. As the altar is pulled down. Fais attention. Watch out. L'année-ci. This year. Va bien finir. It will end well. L'année qui arrive. This year va bien commencer. It will start well. Celui qui vend les autres. The one selling people. Ne pourra pas te vendre. Cannot sell you. Celui qui détruit les autres others, va t'aider à bâtir. Le pharaon qui était considéré comme sorcier pour les autres a élevé Joseph. Educated Joseph. Le Nebuchadnezzar qui était considéré comme le diable pour les autres a positionné Daniel. Yes. On peut être sous le même ciel. We can be under the same mais on n'a pas la même grâce. But we do not yes. have the same grace. Celui qui détruit les autres the one destroy the others, à ton niveau at your level, va t'aider à bâtir ta vie. Will help you to build your life up. Après cette nuit, after this night, l'argent du sataniste ne sera pas sataniste. The money of the satanist will not leave satanist. Aucun
Aucun argent ne va te détruire. None money shall destroy you. Aucun argent ne va gâter ta vie. None money will spoil your life. Aucune aide ne va détruire ta vie. No help will destroy your life. Toute personne qui viendra vers toi, si elle veut te faire du mal, elle meurt. Si elle veut te faire du mal, elle meurt. Si elle veut te faire du mal, elle meurt. Si elle veut te faire du bien, Dieu la bénit. Si elle veut te faire du bien, Dieu la bénit. Après cette nuit, je dépose une marque sur ton front. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Celui qui te maudit est maudit. Est maudit. 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 Je change tes relations. I change your relationships. Écoute-moi bien. Listen to me. Après cette nuit. After this night. Tu vas supprimer certains amis Facebook. Amen. You will wipe away certain friends. Tu vas supprimer certains numéros WhatsApp. You will erase some WhatsApp numbers. Écoute-moi. Listen to me. Toutes les relations de Congo ça s'arrête maintenant. All the working relationships stop now. Toutes les relations de Congo, ça s'arrête maintenant. Toutes les relations de Congo, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Écoute-moi très bien. Toutes les personnes avec qui tu parlais mal des autres, tu reçois l'ordre d'effacer leur numéro. Yes. La réussite a des codes. Ah. Succeeding has principles. Demandez au pasteur. Ask tous ceux pastor, qui nous ont quittés. All those who leave on them, a supprimé leur numéro. Yes. On les a bloqués sur Facebook. They block them on Facebook. Ils nous insultent. They insult on n'est pas au courant. We are not yes. away. Ils souhaitent notre malheur. On n'est pas au courant. Parce qu'ils ne nous servent à rien. Because they are useless. Écoute-moi. Listen to me. Le riche, the rich, ne parle pas mal du pauvre. Speak not bad from the poor one. Dis à ton voisin, le riche ne parle pas mal du pauvre. Le riche ne parle pas mal du pauvre. Le riche ne convoite pas le pauvre. Le riche ne convoite pas le pauvre. Le riche ne fait pas la jalousie au pauvre. Le riche ne fait pas la jalousie au pauvre. Le riche ne fait pas le Congo ça du pauvre. Le riche ne fait pas le Congo ça du pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais le Congo ça de quelqu'un, c'est qu'il te dépasse. If you gossip about somebody, it means he surpasses you. Maintenant, now, tu vas vérifier dans tes Congo ça. Check on your gossip. Les gens contre qui tu parles mal là, people from whom you talk ils te dépassent. Surpass you. Ils te dépassent. They surpass you. Frère, brothers, je te donne mes ingrédients. I give you. Je suis très concentré depuis que je suis petit. I am very focused. Depuis que je suis au moins un, je suis concentré dans ma vie. Je choisis les sujets que j'aborde. Je choisis les gens que je fréquente. Je choisis ce que j'écoute. Je choisis ce à quoi je crois. Je ne crois pas à la pauvreté. Je ne crois pas à ma mort précoce. Je ne crois pas à mon échec. Même si Dieu dit que je vais échouer, je lui dis que je ne crois pas. Dieu me connaît. God knows me. Il y a des choses auxquelles je ne crois pas. There are things on which I don't believe. Et quand je ne crois pas, il est obligé de changer d'avis. And when I don't believe, he's so donc même dans les blagues, quand Dieu me dit, Paul Zang, tu vas échouer, il dit, Père, il y a beaucoup de Paul Zang sur la terre. There are many Paul Zang on earth. Tu as dû confondre le Paul Zang là. You confuse that Paul Zang. Le Paul Zang à qui tu t'adresses. The Paul Zang to whom tu lui avais dit, you have told je connais les projets que j'ai pour toi. I knew the project that ça I n'a pas you. Changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. En mon Dieu, God, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Depuis la fondation du monde, il a dit qu'il m'a béni. Je suis béni. J'étais béni. Je serai béni. Toujours béni. Encore béni. Seulement only blessed. Donc même quand Dieu se perd, even God il m'annonce une catastrophe. He announced me a disaster. Il dit, vieux père, I say, old tu as father, confondu. You confused. Fais ça avec les autres. Chez moi, make it with order. C'est bonheur, c'est grâce, grace, faveur, favor, honneur, honor, grandeur, greatness, succès, success, joie. Joy.
Même quand ce qui m'arrive est mal, even what happened to je me cherche evil, le bien qui est caché derrière ce mal. I look the good behind that evil. Même quand ce qui m'arrive est mal, even what happened to me is je suis allé prier pour une autorité à quelques jours. I went to pray for the authority et sa femme se plaignait qu'il a posé un acte négatif. And her wife complained about the negative je dis, écoute-moi, madame. I say, listen to me. En mes qualités d'apôtre et de prophète, in my quality of apostle and prophet, je déclare I declare que l'acte de ton mari the action of your husband est un acte prophétique. It's a prophetic action. Et tout acte prophétique négatif produira des résultats positifs. And every negative prophetic action will produce the result. Dans le prophétique, in the prophetic, un acte négatif a negative action produit des résultats positifs. We need a result, positive results. Tu me donnes le sacrifice, je ne prie pas pour toi, c'est négatif. You give me the sacrifice, I do not pray mais for ça you, produit negative. Un miracle surnaturel, c'est positif. Écoute-moi très bien. Listen to me. Après cette nuit, after this night, à cause de la grâce qui coule ici, because of the grace flowing quelle qu'en soit la personne qui rentre dans ta vie, no matter the person entering your avec life, les mauvaises intentions, with the bad ideas, Dieu change ça en ton avantage. God change it in your favor. Dieu change ça à ton avantage. 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 Si tu me vois à terre, ne faut pas te moquer. If you see me down, don't mock at me. Je suis couché là parce que je cherche quelque chose. I am down because I'm seeking for something. Quand je vais me relever, ce sera grave. When I will stand, it will be too much. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Everybody is not like everybody. Quand l'autel de la famille est renversé, when the family altar is pulled down, Dieu te donne de bonnes relations. God gives you good relationships. À partir de maintenant, henceforth, dans le bus, in the bus, dans l'avion, in the plane, dans les restaurants, in restaurants, dans les travaux. In what? Sur internet. On internet, tu rencontres les vraies personnes. You encounter real people. Tu rencontres les vraies personnes. You encounter good people. Tu rencontres les vraies personnes. You encounter good people. À partir de maintenant, même dans cette église, henceforth, even in this church, Dieu nous envoie les vrais gens. God sent okay, the good people. Les ingrats. Unthankful. Il y a l'église ici à côté. Go to the next church. Dès que l'ingrat me voit à la télé en venant, il se perd, il part dans l'église du voisin et il part là-bas, il tape les mains avec les autres et il devient chrétien là-bas. Je dis qu'à partir de l'année qui commence, je ferme la porte aux ingrats dans cette église. Dieu nous envoie les gens qui sont humbles, gentils, obéissants, reconnaissants. God will send people humble, obedient and recognizing people. Parce que quand Dieu va te bénir dans quelques mois, because when God will bless you, même sans qu'on ne te dise, even with that, I tell you that, tu vas envoyer ta dîme. You will send your tithe. Tu sais qu'il y a une qualité de dîme, do you know that it's a type of tithe, qui ne passe pas ici. They don't pass here. Tu transites ça sur le trône de la grâce. You send it to the throne of the grace. De peur que l'aveuglement ne frappe le pasteur. Il y a une qualité de dîme que the type of quand that Dieu veut sauver le pasteur, il évite que ça passe entre ses mains. When God wants to save the pastor, he avoids him to have it upon his head. Tu m'envoies ça directement. You send it directly. Et mon âme te bénit. And my soul blesses you. Église. Church. Les relations qui arrivent. Relationship on the point seront spéciales. Will be special. Tu vas rencontrer les anges. You encounter angels. Ta future belle-mère sera un ange. Your mother-in-law will be an angel. Ta future belle-mère sera un ange. Future mother-in-law will be finis les belles-mères sorcières. Finish the witch mother-in-law. Finis les belles-mères sorcières. Finish the witch mother-in-law. Ta future belle-sœur sera un ange. Your future ton mari sera un ange. Amen. Ton mari sera un ange. Amen. Ta femme sera un ange. Les filles ici, on les a trop traumatisées dans les belles familles. There are girls who have been traumatized in families in law. Alléluia. Amen. L'hôtel de la famille. The families are cette nuit. This night. Est terrassé. Amen. Is destroyed. Nous allons faire la dernière prière. We are going to make the last prayer. 5 minutes de prière. 5 minutes of prayer. Gada 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 gada. Le kete 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 kete. Lila daga. Écoute-moi, tous ceux qui savent parler en langue, c'est le moment. If you know how to speak in tongues, speak in tongues. Si tu ne sais pas,
crie chez ton voisin. Ton voisin dit les katakata, les ketekete, les petekata. C'est un peu comme le yambasa, débrouille-toi. It's like yambasa, struggle yourself. Si ton voisin est yambasa, c'est qu'il parle la langue. Elle dit Dieu aimait les yambasa. Elle dit le parler la langue, c'est comme le yambasa. Maintenant, vous êtes là, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous parlez au Yambasa ici, calmez-vous. Hein. Voici la prière. This is the prayer de récupération. Of recovering. Tu perds au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout domaine de ma vie. Tout domaine de ma vie. Qui a été emprisonné. Par l'autel familial. Par l'autel familial. Côté maternel. Côté paternel, côté paternel, ma santé, santé, mon étoile, ma destinée, mes finances, mes enfants, mon mariage, mon foyer, mon ministère, tout domaine de ma vie, emprisonné par l'autel, je récupère pendant que je prie. Récupération, récupération de ton mariage, de tes finances, de ta santé. Récupère tout domaine de ta vie qui avait été emprisonné par les sorciers, par les féticheurs, par les marabouts, par les satanistes, ton mariage, tes affaires, tes projets, ta santé, tes relations, tes enfants, tes finances, tes dossiers, tes diplômes, ton visa, ton passeport, ton identité, ton étoile, ta destinée, tes vêtements, ce matin, récupère pour ta famille, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes soeurs, récupère, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier ce matin, ton mariage, récupère ce matin, récupère tout ce qui a été volé dans ta famille. Ta façon de prier m'inquiète ce matin. J'ai l'impression que tu veux perdre. Prie ce matin. Récupère ce qu'on a volé dans la vie de ton père. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je prie que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi, acclame Jésus bien.